Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis Tanguy Lunven, je suis un passionné de musique et de chant et j'interviens dans les entreprises et les organisations avec cette passion pour répondre à des thématiques comme le leadership et le travail collectif. Et quelles sont les circonstances, pardon, de votre première rencontre avec des peuples premiers? Alors, j'ai habité 2 ans en Indonésie, j'étais adolescent et j'ai beaucoup vadrouillé en Indonésie et j'ai rencontré plein de peuplades. Et ce qui m'a touché, c'est la joie des enfants, c'est la rencontre facile, le sourire, la sincérité, et la vraie rencontre, ça m'a beaucoup touché. Et après, j'ai séjourné en Algérie, dans le désert, dans une famille nomade, et là aussi, je ne parlais aucun mot ni de berbère, donc il y avait cette rencontre au-delà des mots. Et qu'avez-vous appris à leur contact? Je pense que j'ai appris quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que c'est que vraiment être un être humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que rencontrer, qu'est-ce que c'est que tout simplement être là. Et puis aussi autour de la joie de vivre, autour de la célébration, du chant et de la danse. Quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va vraiment en profondeur avec qui on est. Et quelque chose de vrai. Et quel est votre message aux entrepreneurs? Ce sont là les ingrédients que je trouve intéressants de vivre dans l'entreprise et dans les organisations, c'est-à-dire la sincérité, l'écoute, oser, la relation, le soutien mutuel, le plaisir et à être ensemble en tant qu'être humain.